Le groupe D de la Coupe du Monde italienne, avec aujourd'hui à Bologne, au Stadio d'Alara, un match, ma foi, attrayant entre la Yougoslavie et l'équipe de Colombie. On va avoir du beau football, ces deux équipes qui savent manier le ballon. Les Colombiens qui ont gagné face aux Émirats 2-0, sans trop forcer. Et les Yougoslaves qui ont perdu 2-1 face à la véritable équipe fédérale d'Allemagne. Ce sont les Colombiens qui ont tiré les premiers, sans problème pour les Kovic, le gardien préféré à Ivkovic dans les buts yougoslaves. Un centre ici pour Susic. Première occasion très chaude pour les Yougoslaves sur ce beau centre. C'est Jarmi qui centre. La Susic, belle tête plongeante hein, du joueur parisien. Mais ça passe à côté. Stojkovic. Stojkovic garde le ballon, belle technique avec Prozinecki. Prozinecki, le tir de Prozinecki, mais qui ne tourne pas assez son tir enveloppé. En tout cas, les Yougoslaves ont la mainmise sur le jeu. Jarmi, Jarmi le latéral, Jarmi, Jarmi qui peut centrer, centre parfait. Ça passe devant tout le monde, ça va être récupéré par Susic. Non, il préfère laisser le ballon à Brnovic. Brnovic, Susic, Susic qui va centrer peut-être, centre. Non, c'est un tir! Un tir de Susic! Oh, quel but! L'ouverture du score pour sa fête Susic et pour la Yougoslavie. Quel but! Et c'est son second but, lui qui avait marqué déjà un très joli but face à la RFA. Le Parisien, et bien là, il inscrit son deuxième et le deuxième de la Yougoslavie en Coupe du Monde. Regardez, Brnovic, Susic, on croit qu'il va centrer. Et là, il a vu le petit trou entre Higuita et son poteau. Frappe, coup du pied, 1-0, c'est magnifique. 1-0 pour la Yougoslavie. La Colombie qui réagit, 32e minute de jeu, Estrada bousculé par Brnovic et l'arbitre qui indique le point de pénalty. Réaction immédiate des joueurs colombiens. Ah, et ça proteste côté yougoslave, on va revoir. Estrada, s'il est vraiment bousculé, ah, et, oui, au moment où il veut armer sa reprise, ouais, il y a quand même le pied de Brnovic qui vient se mettre en opposition. C'est Freddy Rincon qui se présente face à Lekovic. Rincon et Lekovic qui part du bon côté. C'est un arrêt. Arrêt de Lekovic. Et ben, le sélectionneur yougoslave a été bien inspiré de titulariser Lekovic aujourd'hui à la place du portier habituel. 39e minute de jeu, coup franc là, encore une faute sur Estrada, il est très rodement, pose beaucoup de problèmes. Valderrama, quel coup franc et quel but! Le coup franc de Carlos Valderrama, le capitaine colombien, le chevelu qu'on reconnaît entre tous là, sur la pelouse. Quel coup franc magnifique, placé, tendu. Oh, il est superbe ce coup franc là, à plus de 25 mètres. Regardez bien. Ah, il est bien frappé. Il retombe à mi-hauteur. Un partout la Colombie. Après avoir raté un pénalty, donc c'était bien repris. Attention, Rincon, tir de Rincon. Oulala, on n'était pas loin du 2-1. Quel match en tout cas, ça va d'un but à l'autre. Un match qui répond à toutes nos attentes. On savait ces deux équipes manieuses de ballon. Et ben là, il le prouve en tout cas. Une belle première mi-temps. Gomez, Gabriel Gomez pour Fajardo. Fajardo, il est rapide. Il est très rapide. Fajardo, il a Estrada tout seul au centre. Fajardo, il a oublié un petit peu Estrada. Il va aller au bout. Fajardo, il repique centre en retrait. Valderrama, deuxième but. Deuxième but du capitaine colombien, Carlos Valderrama. 2-1 pour la Colombie, juste avant la mi-temps. Oh, la Colombie. Quel coup d'accélérateur. On a cru que Fajardo avait fait une erreur là, car il y a Estrada au centre. Il préfère l'oublier. Il va au bout, tout au bout. Il rase la ligne de touche, de sortie de but. Le ballon en retrait. Valderrama plus vif que la défense. 2-1 pour la Colombie. Allez, on essaie de se relancer pour le yougoslave, mais c'est la mi-temps. 2-1 à la mi-temps, 3 buts. On se régale, en tout cas, ça joue au ballon. Vujovic, Stojkovic qui lance Vujovic. On joue la 53e minute de jeu. Bonne sortie d'Higuita, Prozinecki. Prozinecki pour Jarmi, il faut se replacer côté colombien. Ça y est, c'est fait, ça relance. Allez, les Yougoslaves qui ne doivent absolument pas perdre ce second match. Stojkovic lancé. Oh, il est taclé, pénalty. Pénalty indiscutable, ah oui. Et Gomez, Gilardo Gomez qui prend un carton rouge mérité, car là,
Ensuite, Dragan Stojkovic présenté tout seul. Ah, il est, oui, sévèrement taclé, là, tacle par derrière. Penalty. Stojkovic face à Ikita. Contre-pied. C'est le contre-pied, c'est l'égalisation. Là où Rincon avait raté son penalty face à Lekovic, Dragan Pixie Stojkovic ne rate pas le sien face à Ikita. Ikita a essayé de jouer l'intox en bougeant un peu sur sa ligne. Mais Stojkovic, il a de l'expérience. Et c'est le contre-pied parfait de partout. Allez. Il reste du temps, 57e minute de jeu. Slatkoviovic qui est lancé dans la profondeur, il est tout seul. Il se présente et il marque le troisième but. Troisième but dans la foulée. Il est pour les Yougoslaves. Signé Zlatkoviovic. 3-2 pour la Yougoslavie. Quel match de folie. Match de folie ici à Bologne. Et que ça combine bien, ça joue à une touche de balle, la petite passe, vous avez vu, de Dragan Stojkovic. Vujovic à lui, il ne se pose pas de questions, il fixe, plat du pied, 3-2. Il reste une demi-heure, ça laisse le temps aux Colombiens de se reprendre. Attention, Estrada, belle frappe, et Lekovic s'interpose. Alors on risque d'avoir encore des buts dans ce match, car vraiment, on sent les deux équipes là, vraiment portées vers le but adverse. Valderrama, Valderrama au corner. Merde à Valderrama, Iguaran, c'est dégagé. Ça va revenir, Alvarez, attention, on va se faire contrer. Alvarez, Hoyos, Carlos Hoyos, pas de possibilité, il trouve Gabriel Gomez pour Estrada, Estrada qui peut centrer le centre, second poteau, tête de Fajardo à côté. Oh, les Colombiens, ils ont les moyens, ils ont le potentiel, attention Estrada, la frappe encore. Ouh, je sais pas si c'est Lekovic qui la détourne, mais en tout cas, elle était superbe, on va la revoir. Sur un ballon récupéré, tout de suite, Rincon, c'est légèrement dévié, Estrada ne se pose une question, oui, c'est Lekovic. C'est vraiment un très, très gros match, hein, le portier yougoslave. Perea, Perea à la récupération, Perea, Perea pour Iguaran, Iguaran qui récupère, qui se présente, Iguaran, Iguaran, le poteau. Oh, Espazic qui dégage. Le poteau qui sauve la Yougoslavie. 75e minute de jeu, corner de Valderrama, tête d'Estrada et encore Lekovic sur sa ligne. La Yougoslavie sous pression, les Colombiens ne veulent pas perdre ce match. Ils savent qu'ils auront un match capital à jouer face à la RFA. Nouveau corner, il reste un quart d'heure à jouer. Estrada au corner, la tête, non, c'est repoussé, reprise de Gomez. C'est dégagé, les Yougoslaves font bloc. Et attention au contre, car il y a Zlatkoviovic qui reste tout seul. Attention, frappe d'Iguaran, ouais, sans problème pour Lekovic. Là, il reste à peine 10 minutes, là, Estrada. Estrada, Gomez, Gabriel Gomez, le petit le terrain latéral. Gomez qui repique, le tir de Gomez, premier poteau. Et encore Lekovic. Fabuleux, le gardien yougoslave. Gardien remplaçant, je vous l'ai dit, hein, préféré Lekovic aujourd'hui. Et ben là, il fait un gros match. 89e minute de jeu, c'est maintenant. Il faut marquer pour les Colombiens. Valderrama, Perea s'est contré. Attention, le contre. Vujovic est tout seul. Seul contre deux. Il passe un joueur. Deux joueurs, il est passé. Vujovic pour la balle de 4-2. 4-2 dans les arrêts de jeu face à Ikita. Non, Ikita qui sauve. Oh là là, on n'était pas loin du 4-2 sur cette balle de contre. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est la Yougoslavie qui prend les deux points au terme d'un match spectaculaire. Bienvenue à Milan au Stadio Giuseppe Meazza pour voir l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, affronter les Émirats Arabes Unis pour ce second match du groupe D de la Coupe du Monde 1990. L'Allemagne de l'Ouest vainqueur de la Yougoslavie dans le premier match, 2-1. L'Allemagne de l'Ouest impressionnante, facile de technique et de physique. Qui ne devrait faire qu'une bouchée de cette équipe des Émirats. Et pourtant, première occasion, 12e minute de jeu, ce sont les Émirats qui se la créent. Un centre légèrement dévié qui oblige Bodo Imer à sortir dans les pieds de l'attaquant arabe. Uwe Bein, on a fait tourner un petit peu l'effectif côté allemand. Uwe Bein qui donne pour voleur, le frappe enveloppé. Ça touche le poteau, ça rentre et c'est l'ouverture du score. Et le premier but allemand par ce renard de Rudi Völler sur cette passe de Webein
Il a eu tout le temps de déborder, d'ajuster tranquillement sa petite passe. Regardez, personne n'attaque. Il va au bout, il fixe la passe dans la profondeur, dans la surface. Après, il y a la technique et la réussite. 1-0 pour la main de l'Ouest après 2 minutes de jeu, 19e minute de jeu. Klinsmann, talonnade pour Mataos. Mataos qui repique, un crochet, un tir. Il a voulu surprendre le gardien au premier poteau. C'était bien joué. Regardez, on croit qu'il va se centrer. Il se remet sur son pied droit. La frappe puissante, mais bel arrêt du portier arabe. 21e, corner de Andreas Möller. La tête repoussée. Ça revient sur Hermann. Andreas Möller. Le débordement, centre tendu. Ça passe devant. C'est récupéré à l'arraché par Jürgen Klinsmann. Là aussi, un but de renard des surfaces de Klinsmann. 2-0 pour la RFA. On va revoir ça au ralenti, mais Klinsmann qui s'est arraché en taclant sur ce centre tendu de Andy Möller. Regardez le coup de rein d'Andreas Möller. Hop, centre à terre tendu. Le gardien qui se déploie, mais la main n'est pas assez ferme. Et derrière, qui est là, le buteur. Eh oui, en taclant. 2-0 pour les Allemands. La messe s'est déjà dite après 25 minutes de jeu. Möller, frappe de Möller. Ça rase le poteau. Quelle belle frappe. Ça y est, les Allemands montent en régime. Ça devient de plus en plus compliqué pour les Émirats. Voleur. Petit voleur. Andreas Möller encore. Nouvelle frappe d'Andy Möller. Oh, sur l'équerre de la transversale. Que c'était beau, le portier des Émirats n'avait pas esquissé le moindre geste. Pas chanceux, le milieu de terrain ouest-allemand, Andy Möller. Là encore, Klinsmann, superbe en se retournant. Ils sont capables de tout, ces joueurs allemands. On sent une grosse équipe hein, avec un gros potentiel offensif. Allez, Rudi Voleur, le troisième. Non, c'est encore le portier des Émirats qui se met en évidence. Il aura eu du travail. 2-0 à la pause. C'est le même score que celui de la Colombie. On va voir si les Allemands vont s'arrêter là comme les Colombiens l'avaient fait ou s'ils vont continuer à attaquer. Là, c'est Al-Taliani qui tente une petite frappe sans problème pour Ignir. Les Émirats qui essaient de marquer un but, une frappe de 30 mètres là de Mir. Sans problème encore pour Inger. Lidbarski, il est plus rapide, il est plus vif. Lidbarski, il déboule dans la surface, il est accroché, que dit l'arbitre. C'est le point de pénalty et surtout c'est le deuxième carton jaune pour Halil Ganim. Ce qui signifie l'exclusion du joueur des Émirats. On va revoir la faute. Oui, il prend tout. Ganim, il prend tout. Lidbarski et le ballon. Pénalty pour Andreas Brehme. C'est contre-pied. C'est dedans. C'est pied gauche. 3-0 pour la RFA. Balade de santé pour les joueurs de Franz Beckenbauer. Pénalty parfaitement tiré. Ben Lucarne, côté opposé. Là, il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre gardien des Émirats. 3-0, les Émirats qui jouent à 10. Et là, c'est une nouvelle faute. Il s'est arrêté. Ça va s'échauffer un petit peu les esprits. On va voir ce qui s'est passé. Et c'est un deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge pour les Émirats. C'est Essa Amir. On va voir là une faute sans ballon. Oui, là, une faute sans ballon sur Andreas Brehme. Il a dû y avoir un contentieux entre les deux joueurs. Les Émirats qui vont finir à 9. Ça va devenir très très compliqué là. À 9 contre 11. Allez, Hermann. Monteur Hermann qui passe, petit ballon pour Riedle, le quatrième, oh, comment il a fait pour rater ça, Riedle. Toujours 3-0, 87e minute de jeu, Rudi Voleur dans le rôle du passeur pour Gunther Hermann. Hermann qui résiste, petit crochet, Hermann est quatrième. Quatrième but de l'Allemagne de l'Ouest par le milieu de terrain défensif du Werder, Gunther Hermann sur un service de Rudi Voleur, et oui. En général, c'est plutôt le contraire, c'est le défensif qui fait la passe pour l'avant-centre. Et voilà, Rudi Voleur s'est mué en passeur. Là, il y a un beau petit dribble de Gunther Hermann. Regardez, petite roulette pour s'emmener le ballon. Là, les Émirats, forcément, ne sont plus. Quatrième but, 4-0. Allez, la RFA fait vraiment le boulot. Allez, une dernière occasion peut-être pour Al-Taliani. Le frappe, mais ça passe à côté. C'est pas encore aujourd'hui que les joueurs des Émirats marquent un but. 4-0, la RFA est devant.